C'est la première fois depuis 14 ans que nous avons une diminution du nombre de faits criminels d'importance, puisqu'il s'agit globalement d'une diminution de 6,8% du nombre de faits criminels entre le 1er septembre 2013 et le 1er septembre 2012. Et si l'on compare à 2011, il s'agit même d'une diminution globale de 10,4% par rapport aux 6 premiers mois de 2011. Et donc, c'est en fait le niveau le plus bas en matière d'infraction criminelle en 13 ans pour un premier semestre. Quand on dit infraction, il s'agit de tous les faits. Il s'agisse d'un vol de vélo jusqu'à coups et blessures ou homicide. C'est vraiment des chiffres intéressants, encourageants, qui prouvent que quand on a des stratégies cohérentes, préventives, qu'on ait plus de policiers sur le terrain, qu'on se coordonne et qu'on a surtout des priorités en politique, comme avec le plan national de sécurité, on arrive à des résultats. Et c'était un peu l'objectif. Ça ne sert à rien d'avoir de faire tout. Il faut voir où sont les priorités, mettre tout le monde derrière et mettre plus d'argent sur le terrain. Et donc ça paye. Et donc il faut pouvoir continuer et renforcer encore cette logique-là.